Il ne fait pas l'unanimité, mais cela n'est probablement pas l'essentiel pour Céline Dion. Minée par des graves problèmes de santé, elle souffre du syndrome de l'homme raide, qui font régulièrement la une de l'actualité. La chanteuse revient sur le devant de la scène avec de nouveaux projets dont le long métrage Love Again. Sa sortie est prévue pour le 7 juin en France, alors qu'il est déjà en salle aux États-Unis depuis le 5 mai. Malgré les retours très mitigés des critiques, les fans de la chanteuse québécoise ont eu un véritable plaisir à la retrouver, d'autant qu'elle est aux manettes de 5 chansons. Le réalisateur du film, James C. Strouz, a révélé dans une rencontre virtuelle sur Zoom avoir adoré travailler avec l'artiste, qu'elle était d'une grande gentillesse, une actrice douée, ouverte et prête à s'abandonner. Il a aussi dévoilé une anecdote étonnante. Céline Dion a refusé de prononcer une phrase en arguant « ce n'est pas quelque chose que je dirais ». Supérieur à Céline Dion, les hommes qui ont compté dans sa vie, elle divertissait toute l'équipe. Le quotidien canadien La Presse a en effet raconté fin avril que cette demande avait été faite pour une scène où le personnage interprété par Priyanka Chopra Jonas demandait à Céline Dion « comment as-tu trouvé mon numéro ?» Et cette dernière devait lui répondre, « Je suis Céline Dion. Je peux avoir tout ce que je veux. » Une phrase qui ne convenait donc pas à la chanteuse et qui a tenu à le préciser au réalisateur. Celui-ci n'a pas été blessé par cette intervention, au contraire, elle n'avait pas envie d'avoir l'air arrogante. Et c'est pour ça que je l'aime, a-t-il expliqué. Et d'ajouter sur la Céline entre les prises, visiblement charmée par son actrice, elle amenait une énergie incroyable au plateau. Elle divertissait toute l'équipe. Tout le monde avait du bon temps quand elle était présente. C'est vraiment une personne bien. À cause de sa maladie, Céline Dion ne peut pas assurer la promotion du film, mais une chose est certaine, ses fans sont ravis de la retrouver, même à travers un écran. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.